Bonsoir papa. C'est votre fils, mon général. Ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ce message, c'est un message de soutien, papa, par rapport à l'histoire de votre passeport, papa. Je suis de tout cœur avec vous, papa. Merci. Tenez bien le coup, car je sais à quel point vous aimez le Cameroun. Je sais à quel point vous nous aimez, papa. Derrière toi, nous sommes là. Vous nous avez formés. Vos vidéos nous touchent énormément, papa. Vos vidéos me touchent énormément. Même à mon lieu de service, vous ne pouvez pas lancer un podcast sans que je ne lance un coup d'œil dessus en travaillant. De grâce, papa, je voulais vous faire comprendre que quoi? Le deal que vous prétendez faire avec Martin Bangangele, papa, c'est archi faux, papa. Ce gouvernement a volé votre jeunesse, a abusé de vous, volé votre jeunesse. Papa, ce n'est pas maintenant que vous allez vous rendre à cause du passeport, papa. Bien sûr que ça vous touche énormément, papa. Tenez bien le coup, mon général. Car je suis au garde-boue, mon général. Derrière moi, Déposer. vous avez formé des hommes, mon général. Vous avez formé des hommes. Big up à vous, papa. I love you, Love you too, papa. bro. I love you. Je vous aime très fort, papa. Car vous êtes mon idole au Cameroun. Il n'y a pas deux. Vous êtes mon idole. I love you, bro. Love you people. Bonjour les enfants. Oh, je peux pleurer. Hein. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. L'amour de ceux qu'on aime et surtout l'amour de ceux qui nous aiment est le plus gros carburant et la plus grosse pommade quand vous êtes en proie à la frustration et à la colère. N'oubliez jamais pour qui vous vous battez, pourquoi vous vous battez et l'amour de ceux, des gens qui vous aiment. Ne banalisez jamais l'amour des gens qui vous aiment. Parce que c'est votre parachute quand tout va mal. Quand tout va mal et que vous vous sentez seul, et que vous vous sentez à terre, et que vous vous sentez abandonné, et que vous avez l'impression que vos forces vous quittent. Vous avez l'impression qu'on vous a lancé ça au village. Rien ne marche. L'amour de ceux qui vous aiment. L'amour de ceux qui vous aiment. Et pour que les gens vous aiment, il faut que vous aimez les gens en retour. Pour avoir des gens qui vous aiment et pouvoir bénéficier de l'amour de ceux qui vous aiment comme étant un médicament. Quand on en a besoin, quand notre âme est blessée, quand notre cœur est blessé et qu'on a besoin de l'amour des gens qui nous aiment, il faut d'abord à un moment donné que nous ayons aimé des gens. Que nous ayons donné de l'amour. Ce mot, les enfants, à chaque fois que vous oublierez l'importance de ce mot, rappelez-vous que le mot amour déplace des montagnes. Le mot amour fabrique des lions. Si nos mères, nos mamans sont des guerrières les plus fortes du monde et qu'elles sont capables de tenir la famille, c'est l'amour. L'amour. L'amour de ceux qu'on aime et l'amour de ceux qui nous aiment. Parce que aimer les gens, c'est un luxe. C'est un luxe du cœur que très peu de personnes ont. Aimer les gens, ce n'est pas la chose la plus facile à faire. C'est un luxe du cœur. Il faut être un appelé, un élu, pour sentir l'amour des gens. Pour sentir, pour aimer les gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, qui ne sont liés à nous de près ou de loin en rien. Les aimer comme s'ils faisaient partie de notre propre famille.
est une bénédiction du ciel. Aimer les gens que vous ne connaissez pas, ressentir la douleur des gens que vous ne connaissez pas, se sentir partie prenante, c'est la base de la vie en communauté. Si vous ne pouvez pas aimer les gens que vous ne connaissez pas, si vous ne pouvez pas aimer les gens qui ne sont pas de votre famille, vous ne pouvez pas construire une communauté. Vous ne pourrez pas construire une communauté. La base de la communauté, c'est l'amour. Un mot qu'on a galvaudé, un mot qu'on a enlevé. Parce que le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est l'intérêt individuel, c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme. Penser qu'à soi. Tout faire rien que pour soi. Légaliser dans sa tête que tout est normal pour but que ça nous rapporte. Tous les moyens ne mènent pas à Rome. Tous les moyens ne mènent pas à Rome. Les enfants, le pardon, Dieu peut pardonner. Dieu pardonne même. Il est amour et pardon. De manière fondamentale, Dieu est amour et pardon. Mais je vous promets que les conséquences du péché, eux, sont là, vivants, malgré le pardon de Dieu. Croyez-moi. Quand vous faites quelque chose et vous faites du mal, parce que vous comptez sur le pardon de Dieu. N'oubliez pas que Dieu peut vous pardonner. Mais les conséquences de votre péché, ça peut être une jambe cassée. Dieu peut te pardonner, mais ta jambe, elle ne va pas revenir. Les conséquences du manque d'amour dans le cœur, c'est la solitude. La solitude émotionnelle. La non-appartenance à quelque chose. La première chose qu'ils nous ont enlevé dans le cœur, c'est l'amour, les enfants. Les gens préfèrent dire j'aime le Cameroun, parce que c'est dur d'aimer les Camerounais. Parce que s'ils aimaient les Camerounais, ils sauraient qu'on ne peut pas aimer le Cameroun sans aimer les Camerounais. Vous ne pouvez pas. Toutes les personnes qui vous disent qu'ils aiment le Cameroun et qui après divise les Camerounais, indexe les Camerounais, marginalise. Ce n'est pas du Cameroun qui parle. Ce n'est pas du Cameroun dont il parle. Il parle d'une autre entité. L'amour est un luxe. Le luxe des grands hommes. Yo, je sais. L'amour, c'est le luxe des grands hommes. Parce que c'est la seule chose qu'on reçoit parce qu'on en a à donner. Et vous ressentir, les enfants, en cette période très difficile, pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui connaissent la clinique, vous savez très bien que nous traversons l'une des périodes les plus compliquées que la clinique n'a jamais traversées. Mais qu'est-ce qui rend fort? C'est les difficultés. Qu'est-ce qui nous permet de nous surpasser? Qu'est-ce qui nous permet de nous dépasser? Difficulté égale possibilité de s'améliorer. Si vous évitez les difficultés tous les jours, si vous croyez pouvoir éviter les problèmes tous les jours, alors vous vous éloignez de votre destin. Vous vous éloignez de la possibilité de vous améliorer. Chaque personne qui croit qu'il va éviter tous les problèmes de la vie parce que lui veut seulement voir ses enfants grandir, il va rentrer de son rendez-vous avec son destin. À force de vouloir éviter, à force de vouloir fuir, chacun d'entre vous, il y en a qui ratent leur rendez-vous avec leur propre destin. Il y en a qui arrivent en retard, il y en a qui n'y arrivent même pas. Simplement parce qu'ils ont eu peur d'une traversée de désert. Simplement parce qu'ils ont eu peur de traverser un moment difficile. Parce que pour eux, la souffrance, pour ce en quoi on croit, n'existe pas. Alors ils ne peuvent pas toucher les âmes. Merci soldat. Tu viens de guérir le cœur meurtri d'un vieux soldat, frère. Tu viens de mettre le baume dans le cœur d'un vieux soldat, frère.
Et je suis obligé de partager l'amour en vous disant, partagez en retour. Parce que ce message ici, il est la clé de tous les problèmes dont nous parlons tous les jours à la clinique. Celui de l'amour. Parce que c'est l'amour qui rend fort. Déterminé. Direct. Quand vous êtes dans une lutte et que vous avez l'impression que vous êtes en train de vous perdre au milieu d'un océan, au milieu d'une intensité que vous n'avez pas prévue. Parce que quand vous êtes dans la lutte, oui, les gens peuvent vous attaquer de manière personnelle. Les gens peuvent chercher à vous fragiliser de manière personnelle. Les gens vous attaquent de manière personnelle. Et parfois, vous réagissez de manière personnelle. Rappelez-vous toujours, quand vous êtes en proie à cette émotion, le pourquoi vous vous battez et recentrez-vous. Ce ne sont pas les entités, les hommes. Non. C'est l'avenir. C'est le pays. C'est le pays, les enfants. Aucun pays ne se construit sans amour. Love you too, my people. C'était papa.